J'ai eu quelques questions d'utilisateurs qui m'ont demandé comment fait-on pour regarder les vidéos RQDA sur YouTube dans un ordre chronologique avec une qualité meilleure. C'est une vidéo donc qui est consacrée pour, qui est relatif au didacticiel RQDA, mais en fait elle est également disponible. Ce didacticiel se vaut également pour toute autre chaîne YouTube. Alors premièrement, vous allez sur YouTube, sur n'importe quel navigateur et sur n'importe quelle plateforme. Et lorsque vous êtes sur YouTube, vous tapez par exemple RQDA. Et une fois que vous êtes sur RQDA, il vous propose plusieurs résultats. Et vous voyez qu'il y a plusieurs vidéos, mais malheureusement, ces vidéos sont dans le désordre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces vidéos RQDA qui ont été, enfin celles qui ont été créées par moi-même sur la chaîne RQDA Tuto, sont disponibles dans un certain ordre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour regarder l'ordre? Eh bien, on va tout simplement cliquer sur n'importe laquelle des vidéos sur le RQDA Tuto. Donc, par exemple, ici, ici, ici ou n'importe où. Alors, je vais cliquer ici et ça vous mène à l'adresse. Sur ce qu'on appelle une chaîne. Donc ça c'est ma chaîne que j'ai créée. Donc elle s'appelle RQDA Tuto. Tuto comme tutoriel ou didacticiel. Et vous pouvez également y accéder par le biais de la chaîne youtube.com/user/RQDA Tuto. Vous avez également la possibilité de vous abonner via via un abonnement Google. Donc là, il faut avoir un abonnement sur YouTube ou sur Gmail, sauf erreur de ma part. Et ensuite, vous allez recevoir des emails lorsqu'il y a des nouveautés qui sont mises à jour. Hormis cela, il y a une autre possibilité, si vous aimez bien les flux RSS, c'est d'utiliser cette adresse-ci. Donc c'est valable pour toutes les chaînes YouTube. Si vous voulez utiliser, si vous utilisez les flux RSS, il vous faut copier cette adresse. Donc je vais vous la mettre en grand sur la vidéo. Donc ça fonctionne de cette manière-ci. C'est http://gdata.youtube.com/// trait d'union feeds, /feed/base/user. Et c'est là où il y a l'étoile où vous allez remplacer par le nom en question. Donc par exemple pour moi ça sera RQDA et ensuite upload. Donc ça c'est si vous voulez l'adresse à utiliser pour les flux RSS d'une chaîne. Et bien évidemment, le RQDA peut se remplacer par n'importe quel nom d'une autre chaîne. Alors si vous ne savez pas ce que sont les flux RSS, ce n'est pas grave du tout. Ça c'était juste une petite introduction pour les personnes qui sont qui utilisent les flux RSS. Voilà. Entre parenthèses, sur justement la chaîne RQDA Tuto, vous avez les liens qui mènent vers les principaux sites relatifs à RQDA. Donc vous avez le site officiel de RQDA, ensuite vous avez la documentation officielle de RQDA, tout est en anglais. Ensuite vous avez le site officiel du projet R, ensuite vous avez le site officiel de l'IDE RStudio. Donc si vous suivez les premières vidéos, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Et en dernier, vous avez mon curriculum vitae qui est disponible en ligne. Voilà. Donc ça, c'est les liens qui sont disponibles. Peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo plus tard, les liens auront changé. Il y aura peut-être de nouveaux liens et ainsi de suite. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour regarder des vidéos? On clique sur vidéo. Et là, on voit des vidéos qui sont dans un certain désordre et ce n'est pas très pratique non plus. Alors, pour avoir des vidéos dans l'ordre, il suffit de cliquer sur Playlist. Et sur Playlist, vous avez la possibilité de regarder les vidéos en anglais et en français. Alors, à l'heure actuelle, les vidéos en anglais, ben, il n'y en a qu'une seule. Et sur cette vidéo, ben, je dis que je mettrai peut-être des vidéos en anglais un certain jour. Donc, en gros, vous allez plutôt sur RQDA en français. Et à partir de là, c'est justement là que vous avez les vidéos qui vont dans l'ordre. La première vidéo commence ici et la dernière commence ici. Donc là, c'est vraiment sympa parce que vous avez
l'ordre des vidéos et il y a une logique qui est progressive. C'est-à-dire que les premières vidéos, c'est vraiment de la base de chez la base, c'est vraiment de l'introduction. Et les dernières vidéos, c'est vraiment les fonctions les plus avancées que vous pouvez trouver sur RQDA. À l'heure actuelle, il y a 20 vidéos qui sont disponibles, mais je n'ai pas encore terminé de mettre toutes les vidéos, donc vous en trouverez beaucoup plus. Sinon, lorsque vous cliquez sur une vidéo, par exemple, bon, supposons que vous avez déjà installé RQDA, donc vous voulez savoir comment ouvrir et créer un projet RQDA, donc là, c'est vraiment des fonctionnalités de base, donc vous cliquez sur le lien, et à partir de là, vous avez la vidéo qui commence à se défiler. Et vous voyez que ici en bas, vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles. Si je clique un peu plus loin, vous voyez qu'il y a toutes les vidéos. Donc si je clique là, vous voyez que les vidéos sont en train de changer, mais dans un ordre logique. Et si vous cliquez là, ben, vous pouvez apercevoir toutes les vidéos qui vont plus loin. Et toutes celles qui sont en premier. Voilà, donc c'est assez sympa de naviguer de cette manière-ci. Et vous avez la possibilité, ça c'est très important, ici vous avez la possibilité de cocher des annotations. Souvent lorsque ça m'arrive de faire des erreurs dans les vidéos, donc si je fais des erreurs et que je le remarque après coup, j'utilise des bulles de commentaires. Donc je vous suggère quand même de laisser ces bulles de commentaires ici activées. Normalement, par défaut, elles sont toujours activées. Donc, si c'est pas activé, je vous conseille quand même de laisser ces bulles de commentaires et je les utilise le moins que possible. Donc, ne vous inquiétez pas, sur ces vidéos, je ne fais pas de pub ou de je ne sais quoi. Ensuite, bon, la possibilité classique d'augmenter le son, de mettre play et pause. Et ici, c'est ça qui est très important, c'est qu'ici, si vous cliquez sur la roue, vous avez la possibilité de modifier la qualité. Et je vous le conseille vraiment, surtout si vous avez une connexion à haut débit, parce que par défaut, la qualité des vidéos est d'une résolution très faible. Et ça, c'est valable pour toutes les vidéos YouTube que vous consultez. Je vous conseille toujours, si vous voulez une qualité optimale, de prendre la meilleure des qualités. Donc, en l'occurrence, c'est de la 720p HD. Donc, vous sélectionnez 720p HP, et là, vous allez pouvoir visionner la vidéo avec une qualité qui est bien meilleure que celle qui vous propose par défaut. Ici, vous avez la possibilité de regarder les vidéos plus tard, ce n'est pas très important. Et ce que je vous conseille, si vous le souhaitez, c'est de regarder en plein écran. Donc là, vous pouvez agrandir un petit peu, donc vous avez un écran un petit peu plus grand, mais moi, je vous conseille vraiment le plein écran. Et là, vous avez le mode plein écran. Donc, on va juste voir une différence. De qualité. Donc là, vous êtes en plein écran. Et si vous consultez avec de la vidéo avec du 200, enfin, on va prendre la qualité minimale. Là, je ne sais pas si c'est clair sur vos vidéos, mais en tout cas, moi, de mon écran, là, je ne vois rien du tout. Tout est flou. Donc là, on a vraiment une qualité minimale. Donc, si vous avez une faible connexion, c'est peut-être l'option à utiliser. Mais je vous conseille quand même de prendre la qualité optimale, la maximale, donc la 720. Et là, on voit vraiment qu'ici, j'arrive à lire ce qui est sur les boîtes, enfin sur les vidéos. Donc là, très clairement, je vois que c'est écrit My Documents, Settings, etc. Donc vraiment, je vous conseille très vivement d'utiliser la 720p HD comme qualité, ainsi que de regarder en plein écran. Et si vous êtes en plein écran, sachez qu'il y a ce bouton-là qui s'appelle Playlist, qui est très intéressant. Je vais cliquer là-dessus et ce bouton me permet de naviguer dans les vidéos. Donc encore une fois, là, celle que vous regardez actuellement est vraiment mise en évidence. Donc elle est highlighted, elle est, comment dire, elle est mise en éclairage si on veut. Les autres sont un peu plus sombres. Et là, vous pouvez regarder les autres vidéos qui vont dans l'ordre. Donc la vidéo 1 se trouve tout à gauche. Et ici, si vous cliquez sur le bouton droit, bon, vous pouvez regarder la toute dernière vidéo. Et là, je clique sur la vidéo numéro 20. Et là, je peux visualiser la vidéo numéro 20. Et ici, je peux visualiser la vidéo numéro... Enfin, je sais plus, la vidéo numéro 7, et ainsi de suite. Donc, grâce à ce petit bouton-ci en mode plein écran,
je peux naviguer très facilement entre les vidéos. Également, vous avez la possibilité de revenir en mode classique. Et grosso modo, c'est tout ce que j'avais à dire sur YouTube. Voilà, donc merci beaucoup de l'écoute et bon visionnage des autres vidéos.